Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec une magnifique CLA 45 AMG. Et regardez ça, la couleur assortie avec mes chaussures. C'est-il pas de toute beauté? Donc je vous présente le propriétaire, Zeka, qui est juste à côté de moi. Salut! Tu m'as ramené ta magnifique voiture à présenter. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de custom, il y a pas mal de personnalisations que tu as faites. Donc déjà, comme on peut le voir, le covering, qui est très flashy, mais j'adore ce genre de couleur. Du coup, covering de chez TechWrap, c'est de l'acide lime. Donc si tu veux mettre un petit peu en PLS les daltoniens, tu leur demandes si c'est du vert ou du jaune. C'est ça. C'est vrai que j'ai jamais trop su ce que c'était. Moi, de loin, on dirait du jaune, mais en vrai, quand tu regardes, ça fait plus vert. Ouais, donc sur le râle, techniquement, c'est plus du vert, mais vu que tu as une couche nacrée aussi, quand tu as du fort soleil qu'on n'a pas aujourd'hui, tu vois des reflets nacrés. Super joli, c'est qu'on voit bien les formes de la CLA, là, les courbes et tout, sur le capot, ça ressort vachement quoi. C'est magnifique. Il a été réalisé par Damien Nguyen du coup. D'accord. Il m'a pris la voiture une petite semaine à peu près pour faire ça. Il y a un sacré taf en tout cas, c'est très joli, il est très bien fait, on va dire. Vite teinté aussi. Vite teinté à l'avant, pare-brise à thermique. On retrouve le toit au rang. Là c'est la shooting break. J'avais pas présenté encore de break, j'avais déjà fait une CLA berline. Pour ceux qui se rappellent sur la chaîne YouTube, qui était pareil en pack AMG. Là donc on est sur le 2 litres, c'est ça? Ouais, 2 litres 4 cylindres, 381 chevaux d'origine. D'accord. Là, et il y a une petite prépa. C'est ça, RStronic Angers avec un stage 2. D'accord. Donc là on arrive à 420 chevaux. 420 chevaux. 625 newtons. Ah oui, effectivement. Donc là du coup on retrouve les jantes, c'est combien de pouces ça? 19 pouces. 19 pouces d'origine alors? D'origine celle-là, ouais. C'est les seuls trucs que t'as pas modifié ouais, alors? Pour le moment, ouais, c'est ça. On peut le voir, tu as mis des cales d'élargissement. Ouais, donc 8 à l'avant, 10 à l'arrière. D'accord, donc t'es un peu plus large à l'arrière. On a les disques ventilés. Ouais. D'origine ou c'est toi? Tout d'origine. Tout d'origine, là, d'accord. Le freinage n'a pas été touché pour l'instant, il est déjà très bien d'origine. D'accord. Donc pour l'instant, tant que ça fonctionne, ouais, bah, c'est on sûr. Reste, on reste ah bah oui, bien sûr. On retrouve les gros étriers AMG, donc elle est rabaissée on dirait. Ouais, moins ça, 30 en ressort court. Moins 30, ok. C'est pas trop galère pour les dodanes tout ça? J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des véhicules rabaissés, donc ça ouais, va. C'est... Par contre... Ah, ça se voit bien, c'est vrai qu'à l'arrière, il fait vachement plus bas, je trouve. Après, c'est pas spécialement les dodanes et autres qui font chier. J'ai mes supports de protection de la ligne en d'accord. plein milieu. Ah ouais, qui là, par contre, des fois, touchent. Genre tous les matins ou tous les soirs quand je rentre dans mon garage, faut que j'y aille à tatillon, ça frotte un petit peu. Tu vois, quand l'entrée des garages souterrains. Ah ouais, c'est sûr, ça doit être un peu galère. Bon, après, quand t'as pris l'habitude, tu sais. Ouais. Mais la première fois, ça surprend. Surtout qu'avant, j'avais le même véhicule, mais en diesel. Oui, c'est ta deuxième, on peut le ouais, préciser. C'est ça, ouais. J'avais un CLA 220 avant en shooting break aussi. Et ah donc t'as repris un break, tu sais. Ouais, ouais, okay. C'est exactement la même. J'ai juste changé la motorisation. La motorisation, d'accord. Donc j'avais envie de consommer un peu plus de carburant et donner de l'argent à l'État, c'était bien. Du coup là tu roules à l'éthanol, non? Non, normal. Après je fais pas énormément de bornes. Ouais. Tu sais, je fais moins de 15 000 généralement par an. En sachant que si tu veux passer celle-là à l'éthanol, t'as directement la pompe HP à changer. Ouais, des petites modifs à faire. Et du coup la pompe HP elle est déjà à 2000 euros. Ah oui, ouais, d'accord, ça fait de la grosse modif en fait. Tu fais le cumul de tout, tu sais, c'est pas un truc super rentable. Rentable. Ouais, enfin, voilà, je compte la garder 3 à 4 ans maximum, donc du coup si tu veux sur le... ça vaut pas plus. Ouais, d'accord. Ça, et puis en sachant que au niveau des retours de ceux qui l'ont passé, qui ont passé les CLA 45 ou les A45 à l'éthanol, il y a quand même pas mal de soucis. Donc, ah oui, d'accord, ok, donc faut à éviter alors. Ouais, je préfère pas. Le petit Instagram, n'hésitez pas à aller voir les amis. Au niveau de la ligne d'échappement, mais t'as fait quoi d'ailleurs par rapport à ça? Parce que quand t'es arrivé, le son qu'a fait, c'est... on sent qu'il y a quelque chose, c'est pas d'origine. Ouais, t'as une ligne complète Miltech. D'accord. Du coup, Decata Miltech aussi. Sur la base, on avait la version avec clapet, mais qu'on a fini par chanter. Parce d'accord. qu'il y a un souci, il y a un défaut connu chez Miltech sur les Mercedes, c'est que t'as le clapet qui vibre en fait. Ok, d'accord. Donc, du coup, on a fini par le chanter. Là, ils m'ont même renvoyé du coup le côté droit, du coup, qui est avec le clapet, sans clapet. Donc là, faut que je le... Donc là, t'es en échappement libre directement ouais, tout le temps. En gros, quoi. Quasiment, okay. Ouais. Et donc le diffuseur, ça c'est pareil, c'est pas d'origine. Ouais, ça. C'est ça, un petit diffuseur carbone. Qui est sympa, le petit rappel de couleur qu'on voit ici en covering, tout en carbone. Moi j'aime beaucoup, surtout avec les 4 pots comme ça, c'est très joli chez Mercedes, j'aime bien. Ouais. Bon, après, c'est que des canules, hein. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est pas 4 pots. Hein. Ah oui. Effectivement, c'est des canules. Oui, bon après. Et t'as l'échappement qui vient. Mais bon, le look est là, c'est très après, joli. Look, ouais, c'est cool.
Ah mais bon, t'as quand même deux sorties de chaque côté. Oui, c'est oui, ça oui. Qui est sympa. Ah oui, elles existent. Ouais. Mon W12 d'origine, c'est comme ça. Hein. Mm-hmm. Mais celle-là, je trouve que c'est les plus belles. Alors en shooting break, tu vois, moi qui est pas fan des breaks, celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Et en plus de ça, ce que je disais hors vidéo, tu as les phares phase 1, je trouve que c'est les plus jolis, ceux qui ont toutes les LED dans tous les sens. Que sur les nouvelles, je trouve que c'est un peu moins joli, ça fait juste un trait. Toi, ta voiture, c'est une phase 1 alors? Ouais, alors c'est une facelift, donc c'est entre la phase 1 et la phase 2. J'ai l'esthétique de la phase 1 avec le moteur de la phase 2 à l'intérieur. La phase 1 a une motorisation à 360 chevaux, la phase 2 c'est 380 d'origine. Je suppose que stock a tout passé en noir, le logo Mercedes, ouais, voilà, l'AMG. Ça, du coup j'avais dit mon projet à Damien du coup et puis du coup c'est Damien qui s'est occupé de me passer tous les logos en noir. Les phares ils sont teintés d'origine comme ouais, ça non, ou c'est... Non, pareil ils ont été teintés légèrement. Y a un film qui est dessus. Ouais c'est ça, après on pouvait mettre un peu plus mais celui qu'on avait ça donnait un petit côté un peu plus mat et j'aimais pas trop. Donc du coup... Ça le petit aileron sur le toit, ça c'est d'origine? Donc d'origine parce que du coup c'est la 45 là, c'est un pack perf. Donc tu vas avoir du coup le petit surbequet qui est inclus et à l'avant t'as le... Il y a un petit truc à l'avant aussi. Ouais, c'est ouais, ça. Pack aéro, ouais, donc c'est son les petites lames ici là. C'est un noir mat, on l'a passé sur du carbone. D'accord, donc ça c'est un truc d'origine qui se vend chez Mercedes alors? Ouais c'est ça, avec le pack performance, ouais. Ok. Souvent t'as aussi une petite arête qui revient oui, là aussi. Oui, les petits côtés, ouais. Mais j'aimais pas trop, donc du coup... Bah je suis d'accord avec toi. Ça c'est le seul truc que je trouve, ça fait trop rajouter que là, ça suit la forme... De la prise d'air, ça va bien, ça fait joli. On va avoir la calandre aussi qui a été changée. La calandre qui n'est pas d'origine. La calandre AMG classique, donc du coup, tu as vraiment juste deux barres chromées qui sont là. Ah ouais, d'accord. Là. Moi, je me rappelle que c'était des petits ronds partout, non, c'est pas ouais, ça? Alors ça, c'est les calandres des finitions fascination que tu as. Ah, donc c'est une autre finition. AMG, okay. Ouais, c'est ça. Mais la calandre vraiment AMG, tu as vraiment deux barres chromées. Et c'est tout. Ok. Et toi, tu as préféré dans le sens inverse. Ouais, ça a passé sur la calandre GTR, du coup. Ça fait sympa, ça fait agressif, j'aime bien. On trouve aussi des bas de caisse rajoutés en carbone. Ouais, bon ça c'est Maxton Design, hein, tout le monde connaît. Oh, ça va bien, tu meurs, ça en fait... France maintenant. C'est un marchepied pour se mettre dessus, puis après il faut les barres de toit. Ouais, je serais toi, je marcherais pas trop dessus. Ouais, non, je pense bien que c'est... Ça c'est du covering noir aussi que t'as mis sur les poignets. Ouais, donc du coup, covering noir, donc on a fait le biton. C'est joli, un peu plus sympa que... Je crois que c'est chrome d'origine ici, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bah c'est pas mal tout ça, en tout cas ça fait une très belle voiture. Niveau méca, voici la bête. On retrouve la petite signature comme à chaque fois sur les AMG. Merci. Ah, il fait chaud là, il fait meilleur là. C'est ça caille aujourd'hui, il faut le dire. Donc c'est le 4 cylindres, c'est ça? C'est ça, 2 litres 4 cylindres. Donc du coup, après, on va avoir l'admission Michimoto. Donc ouais, t'as changé le filtre air en ouais, sport. Ouais, c'est ça. Donc tu disais hors caméra tout à l'heure, il n'y a pas le couvercle. Le couvercle, ça sert à rien. Parce qu'on a fait une vidéo de présentation, enfin une vidéo sur route de la voiture. Et donc, du coup, t'as vraiment le petit pchit. Ah oui, pas si le capot, que t'entends pas si le capot est fermé. Donc du coup, et puis bah du coup j'ai pas eu le temps de le remettre. Après tu vas avoir le Decata Miltech. Bah justement là pour ceux qui connaissent pas le covering, on voit bien là que c'est un film qui est collé en fait sur la carrosserie. Donc la voiture d'origine est couleur blanche, on peut le voir du coup ici. Et c'est très bien fait en tout cas. L'avantage c'est qu'il a déjà aussi deux Mercedes lui, il a un C63 Liberty Walk et une AMG GTR. Ouais donc il connaît Merco. C'est pour ça aussi que j'ai fait un peu de route pour aller chez lui, je savais qu'il connaissait Merco, c'était un gage de qualité. Ah puis tu vois le fait qu'elle soit blanche d'origine, c'est pas choquant. Ça se marie bien tu vois, c'est pas genre elle aurait été bleue, ça aurait fait peut-être bizarre tu vois, ouais, là, ouais. Le blanc c'est neutre, c'est bien. L'idéal ça aurait été noir, mais après jamais je rachèterai une voiture noire. Ah bah ça, bah, je le sais, je la lave tous les jours. C'est ça. On mais ça c'est mon genre de délire, ce genre de couleur, c'est possible un jour je te copie, que je fasse ça, bon ça sera sur une Audi, mais, mais j'aime beaucoup vraiment, c'est magnifique. J'ai une Audi aussi, c'est pas grave. Niveau intérieur, hop. Bon, déjà on peut voir l'éclairage AMG en seuil de porte, ça c'est très joli. Ah, le covering du coup ça se termine bien, ça fait vraiment la démarcation pile poil au niveau de la petite lame là, c'est très bien. Bah, l'idée c'est de fermer vraiment à ces endroits là où t'as des lignes principales, ouais, voilà. Plutôt qu'après essayer d'aller mettre du covering sur les charnières, des choses comme ça, où puis ça tient pas les vents, quoi. Ça se décolle ouais, facilement. Ça, ouais. Déjà on peut voir les petits anneaux rouges, donc ça je suppose que c'est pas d'origine. Sûrement pas d'origine, après moi quand je l'ai acheté elle était comme ça, le seul truc que j'ai rajouté à l'intérieur c'est les extensions de palette. En rouge c'est sympa, ouais. Ouais, ça reprend vu que j'ai les surpiqûres rouges ouais, du ça, coup, sur les sièges et tout, on est passé... Ils sont ouf les sièges sur ces modèles-là, j'adore. Ouais. Et tu penses un jour changer en Android là, ton écran? Parce que j'ai vu mon pote ouais. Guillaume l'a installé sur sa CLA, il a mis un écran Android mais du coup qui est beaucoup plus large. Ouais, t'as le 10 pouces et le 12 pouces qui existent. Je me suis tâté pour
le 10 pouces, ça va sûrement arriver, mais pour l'instant je me concentre sur l'extérieur. Ouais, d'accord, ok. Puis après l'intérieur. Tu vois, il y a un peu de carbone au niveau du compteur. Ouais, donc ça c'est pareil, c'est le pack perf. À l'arrière, donc on retrouve du coup. Bon, ça c'est spacieux, c'est un petit break. Le toit ouvrant, on retrouve des ceintures rouges avec les surpiqueurs rouges. J'adore, c'est les sièges, ils sont stylés, de ouf. Après là t'as l'impression qu'il n'y a pas d'espace parce qu'il y a un géant de 2 mètres qui était sur cette passager. C'est ça. Et ça c'est pas une option l'espèce d'effet un peu... C'est l'option casse-couille de chez Mercedes, c'est que ça pique directement. Ah oui d'accord. Si tu polis ça va mais ça tient 6 mois et puis après pour revenir. Oh bah là ça va, c'est joli comme ça, j'aime bien. Ça fait un effet un peu essence moitié. Disons que quand t'as la voiture qui brille et que t'as les reflets pétrole sur la carrosserie, plus sur ça ça va, mais autrement quand tu regardes de près ça fait vraiment... Ouais toi t'es pas fan du coup toi. Ouais, bon, c'est un des défauts de chez Mercedes, ça on connaît, il y a quelques... Bon, sinon un covering noir et puis basta. Ouais, c'est ça, ouais. Le démarrage, c'est parti. Les phares, ils sont magnifiques. Je préfère tellement ceux-là, c'est des phases lignes. Donc là, on va faire un départ arrêté. C'est parti. Accélération. 420 chevaux. Ça gueule fort dans l'habitacle là, c'est impressionnant. Ouais, là on est en mode individuel, donc configuré vraiment au maximum. Après quand tu repasses en mode confort et que tu vas tranquillement, on est, tu vois déjà là, ouais, c'est, on monte pas dans les tours, ça va. C'est juste limite quoi. Quand tu dépasses pas les 3000 tours, ça va, ça reste un minimum. Faut pas plus. Ouais, faut pas avoir non plus 3 heures de route quoi, sinon ça te pète la tête. Ah bah non, t'en peux plus sinon. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour un 4 cylindres, ça chante. Nous la pluie est en train d'arriver, moi je dis on va aller se mettre au chaud et prendre l'apéro. A très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. C'est-tu que ça serait un petit logo Porsche là? Peut-être la prochaine? Moi je dis rien. Je vais faire une petite dédicace à un magasin où j'ai acheté cette magnifique petite veste Boss. J'adore cette marque là. En tout cas je la kiffe, c'était les couleurs que je voulais. Elle était introuvable, elle était plus disponible nulle part. Et j'ai réussi à la trouver sur un site internet. Et en fait c'est juste à côté de chez moi, c'est vers Le Mans. Alors c'est Le Mans Racing, le site s'affiche en bas de l'écran. Et bien sûr vous aurez tout dans la description de la vidéo. Je les ai contactés puis ils ont réussi à m'en avoir une. Il y a même le petit chiffon qui est dans la poche qu'on peut déclipser pour essuyer sa Porsche. C'est marrant, le petit aimant pour la voiture. Le petit porte-clés Porsche, il y a même les bouchons d'oreilles dedans. Enfin, il y a plein de petits trucs avec, c'est marrant.